Du coup, là, on a le poisson globe. Alors lui, j'ai bien aimé le gameplay du poisson globe, donc on pourra le continuer si jamais je galère trop avec les autres. Là, il y a le piranha que vraiment j'emmerde, parce qu'il y a une mouette à la con, là. Et là, il y a le poisson volant. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, les poissons volants, peut-être que Mao pourra nous éclairer sur ça. Mais du coup, là, je suis coincée sur un niveau de merde. Je vais vous montrer. Justement, c'est là le poisson oiseau. En fait, je l'ai fait tout à l'heure. Donc, je me suis un peu avancée sur le moment où je bloquais. Donc, vous allez voir, là, je suis rebloquée, du coup, à un autre endroit. Oh, les tarbas! Mais non, les tarbas! Ils ont pas sauvegardé ce que j'ai fait tout à l'heure! C'est vraiment un jeu de merde, hein. Mais putain, mais je l'ai fait, j'ai passé 2 heures. J'ai passé 2 heures tout à l'heure à faire ce niveau-là. Bon, c'est pas grave, je me suis entraînée, du coup, j'ai compris comment ça fonctionne à peu près. Ça va le volume, les gars? Ça sauvegarde pas, Van, on te l'a dit la semaine dernière, il faut finir le niveau. Oh, mais ouais, mais voilà aussi, là. Non mais je me suis entraînée, vous allez voir, ça va passer. Regardez, je suis devenue une pro du poisson volant. Du coup, c'est ça que je te demandais, Mao, comment il s'appelle ce poisson? Je suppose qu'il existe. Regardez ça. Vous avez vu comment je suis devenue une pro du poisson? Putain! C'est trop bien. Ah, il m'a remis là. Ok, nickel. Ah mais oui, parce que je venais de prendre le checkpoint. Super. Voilà, j'ai compris comment ça marche en fait. Famille des Exocetideas. Ah, ok. Ah mais Vasure, c'est un truc de ouf. Comment tu t'y connais trop? En tout, en fait. C'est un truc de ouf. Du coup, pour ceux qui connaissent pas le jeu, en gros, on est des poissons dans des aquariums et on essaie de s'échapper et de rejoindre l'océan. Voilà, c'est tout con. C'est tout con. Mais putain, Voilà, quand j'y arrive, c'est satisfaisant, mais bon. Non, j'y connais rien en maquillage, lol. Bon, moi non plus. Putain. Je crois que c'est pas par là. Putain, ça me fait chier parce que tout à l'heure, je l'avais fait ce niveau, quoi. J'avais tout, j'avais été très très loin en plus, j'avais galéré. J'étais en train de rager sur le Discord, là, pour ceux qui m'ont vu rager sur le Discord et tout. J'avais réussi. Donc là, il faut que je saute très très loin. Ah merde. 19 juillet, oui, on marquera cette date. Le 19 juillet 2024, tout le monde était présent. Ah, oh, j'ai réussi, mais je suis trop une pro, c'est bon. C'est bon. Donc ça, c'est les checkpoints, en fait, les trucs dorés, là, comme ça. Pro du poisson planeur, mais bien sûr, mais regarde. J'ai appris à utiliser mon clavier. Il est stylé, ce poisson, quand même. Il m'a bien fait rager, hein. Voilà, et là j'ai ragé ici. J'ai passé des heures tout à l'heure. Ouais, non. Je recommence. Faut être bien aligné avec le bassin.
Ok. Alors ensuite, c'est quoi la prochaine étape? Je vois rien. Vas-y, on va aller par là comme ça. Ok, faut que je descende là. 3, 2, 1. Je lâche tout! Oh là, mais je suis trop une pro! Et c'est là, c'est à ce moment-là sur le Discord que vous me voyez rager tout à l'heure. C'était ici. Punaise. Il faut que j'aille dans la grosse piscine. Soit il faut que j'aille dans la grosse piscine à droite, soit il faut que j'aille directement dans le bassin là à gauche. Donc on va voir ce que. On va voir. Concentration. Vas-y, nul à chier. Je recommence. Regardez où est-ce qu'ils me remettent. C'est pour ça que je rageais aussi. L'envol loupé. Et en fait, je suis obligée de me remettre dans l'eau à chaque fois parce qu'il a un temps hors de l'eau. Parce que sinon, il crève en fait. Si jamais j'y arrive pas, genre vraiment je bloque à fond, je vais changer de poisson. On est bien. Vas-y encore. Lâche pas. Go. Il y a le checkpoint. Ils sont à fond dans le chat. Ok, et là je viens de prendre un checkpoint, ok, donc ça y est, là si je crève je reviens ici, ça c'est cool. Et en fait bah, malheureusement c'est là où j'ai bloqué, donc je sais pas ce qui se passe après cet endroit là, parce que c'est là que j'ai rage quit tout à l'heure. Donc j'ai fait ça comme ça, là je m'arrête ici pour respirer, hop. Là, on va faire ça. Et là, je sais pas pourquoi, il a jamais assez d'élan, en fait. Genre, il s'écrase toujours avant. Peut-être si j'essaie d'aller directement dans le bassin là-bas, non? Mais je sais que tout à l'heure, je l'avais fait en restant dans celui-là. Ah ouais, la fontaine qui est en face là? Vas-y, bah je vais essayer. Allez, vas-y. Mais pourquoi? Vas-y, on va tenter le geyser. Mais je pense que vous avez peut-être raison en vrai. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Yas! Eh mais c'est pour ça depuis tout à l'heure que je galérais en fait, c'était ça la réponse. Oh là là, mais voilà aussi, voilà. Merci les gars. Je suis comme un poisson dans l'eau. L'autre côté c'était un prank, mais oui putain, mais j'ai passé une demi-heure tout à l'heure de l'autre côté là. Bon, du coup c'est où la suite? C'est où la suite? Attends, mais par contre, c'est bâtard parce qu'il n'y a pas de checkpoint. Là, je cherche la suite. Là-bas, mais c'est beaucoup trop loin. Là-bas, c'est trop loin aussi. Il n'y a pas plus près, là. Il n'y a pas un truc plus près. Je vais jamais aller jusqu'à là-bas, en fait. Bah, vas-y, on va tenter, mais bon. Ça me paraît très loin, quand même. Attends. Je sais pas. On va tenter là.
vu que je vois rien. Oula, oula, j'ai bugué. Vas-y, tu peux le faire. Youpi. Même moi, je me suis levé un peu de mon siège pour voir au-dessus. Ok. Comme il est bien fait le jeu, hein. Il est joli, je trouve. Merci, Pello. Ouais, c'est Kali, hein. Ah, alors attends, là, il y a un tuyau. On va finir dans des toilettes. Je suis où? Non, faut que je regarde à droite. Non, il n'y a rien. À gauche, du coup. Ah, là, il y a un checkpoint. Ok, faut que je saute là, du coup. Ok. Ok. C'est tout? Merci Alisha, 8e mois d'abonnement, merci beaucoup. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il a du mal à nager là, comme s'il était à contre-courant. La suite est en haut, je pense. Je crois qu'il fallait tomber dans la piscine. Ok, bah je le refais alors. Ça va là, je m'en sors bien. Mais je m'en sors bien parce que je me suis entraînée tout à l'heure et que j'ai compris comment il volait en fait. Parce que vendredi dernier, j'avais pas compris comment il volait. Donc ouais, la piscine. Ok. Ok. Y'a rien. Où est-ce que je dois aller? Sur le toit, il y a une sorte de toile. Ah! Là-bas! Là-bas, d'accord. Ouah, mais je suis censée aller comment là-bas? Mais non, mais il aura jamais assez de carburant là. Allez, va vite! Va vite! Sprint! Va vite! Il a plus de souffle. Faut sauter à l'inverse de là où c'est le plus profond peut-être. Ah d'accord, vas-y, je vais essayer. Ah, tu penses qu'il aura plus... il pourra plus se donner de l'élan s'il a plus d'eau. Attends. Là, vous avez ressenti qu'il avait plus d'élan ou pas là? J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu mieux, hein. Non? Prendre de l'élan vraiment sous l'eau, ok. Ah ouais! Ah ouais, pas mal, là, pas mal! Pas mal, Alfred! Vas-y! Vas-y! Non! On était pas mal. C'est mieux, ouais. Tu étais devant. Merci, Pello. Ah, là, on est pas mal, là. Là, il y a eu un bon petit entrain, là. Vas-y. Yes! Il pète un coup et c'est bon. Finaise, c'est frustrant, hein. Je vais vraiment partir de sous l'eau. Ouais, il s'écrase comme une crotte à 2 cm, c'est hyper frustrant. Oh putain, pas mal. Yes!
Bien joué les gars. Ah, il était satisfaisant. Alors là, champagne pour tout le monde. Il était satisfaisant. Ok, ensuite, next. Purée, j'y croyais pas. Ah ouais. Est-ce qu'il y a de l'eau par là? T'imagines, t'es au marché et tout, tu vois un poisson voler. Putain, ils ont l'accent, ils ont un fort accent britannique. Oh là là, il faut que je fasse ça là, il y a le checkpoint derrière. Punaise! Il y a le checkpoint! Mais putain! Mais ça a frisé! Putain, j'en ai marre! Alors, on va le refaire, mais sans frise. Ok? Là, c'est bon, on peut crever sereinement. Voilà. Je vais prendre plus d'élan. Mais putain! Ok. Ça me buterait que tu meurs dans un étage de poisson. Wouhou! Heureusement qu'il a plu, hein. Sinon on pourrait pas faire ça. Donc là il y a un checkpoint en face, mais il y a un panneau encore. Je vais me prendre le panneau. C'est dur à jauger du coup. Faut jauger pile. Et le bruit, avouez que le bruit du checkpoint, il est quand même satisfaisant. Hein. Genre un bon son bien, bien grave là. Non ! Dis-toi que tu as passé l'étape, que tu galères. Oui, après, je sais pas, ça se trouve, ça va être pire après. Hein. Il y a c'est un étalage de poisson, ça, en face. Oh, il y a un checkpoint au niveau de l'étalage de poisson. Coucou, fourchette sympa, merci d'être là. Il y a vous voyez pas le checkpoint au niveau du stand, là? Mais je comprends pas. Comment il peut y avoir un checkpoint là-bas? Genre, il y a de l'eau, là? Passe entre les deux clientes. À mon avis, il y a un truc qu'on voit pas. Genre, derrière, il doit y avoir un bac. Il doit y avoir un bac derrière qu'on voit pas, un truc comme ça. Vas-y, vas-y. De toute façon, là, je viens de prendre un checkpoint, on est d'accord. Donc, si jamais je me rate, c'est pas grave. Ah, il y a de l'eau là! Shit! Merde! Il y a de l'eau? Bah je comprends pas. Putain. Oh bah oui. Parce que j'ai pris le checkpoint. Je l'ai pris. Ça l'a capté en fait. Oh la tricheuse, mais non, mais non. Attends, ensuite il faut aller où? Ah mais l'humain là. Il a renversé. Je dois recommencer du coup. En fait, il faut que je fasse attention aux humains du coup. Ouais mais le truc c'est que je sais pas où aller. Merci Pélo. Je sais pas où aller, il faut que j'aille vers l'océan techniquement, mais du coup faut que je me retape, enfin je sais pas où il est l'océan en fait. Attention là les messieurs là. Ah on va aller par là, on va aller par là. Va falloir esquiver les humains, ouais.
J'espère que personne va essayer de me capturer surtout. Ah, là il y a un escalier, je pense. Je vais pouvoir dévaler la pente. Ah, il y a un humain derrière moi. Oust. Non. Ah, il y a de l'eau là. Vite, checkpoint. Vite, vite. Vite. Roule vers le checkpoint. Ah, j'ai tenté, hein. Je la refais, c'était facile. C'est juste que c'est long, mais c'est facile. Tu t'en sors, franchement. Ouais. Ouh là là ! Putain, mais tu peux pas faire attention, imbécile. Je recommence. Les humains, ils sont vraiment cons, ces humains. Regarde ça, là. Attention, il revient. Et là, qu'est-ce qui m'a Ah oui, c'est parce que j'ai pas pris le bon escalier, je pense, tout à l'heure, non? Pourquoi je me suis renversée, en fait? Peut-être qu'il faut que je prenne l'escalier de gauche. Ah, j'ai le checkpoint. Vite, vite, vite. Vite. Attends, normalement j'ai eu le checkpoint, donc... Yes. C'est pas de la triche, hein. C'est absolument pas de la triche. Et là, je vois qu'il y a un puits. À tous les coups, il faut que j'aille dans le puits. Il n'y a pas autre chose? Non, il n'y a pas autre chose. C'est forcément le puits. Ok. Merde. Yes! Alors, j'ai fait 45 réapparitions. C'est nul. Attends, temps, c'est quoi temps? Temps, c'est les minutes, genre c'est j'ai mis 39 minutes. Ouais, non, vraiment là... J'ai pas les cuillères. Ouais, j'ai réussi. Une étoile. Une étoile sur 5. Allez, continuez. Donc ça, c'était le niveau 1 avec lui. Donc là, on peut le continuer ici au niveau 2. Et sinon, on peut passer au poisson globe, là, si vous voulez voir. Merci. On va faire le poisson globe et si jamais j'y arrive pas, je reviendrai sur lui. Donc lui, il est dans un ruisseau. Ruisseau forestier. Ça a l'air sympa. Et lui, sa capacité, c'est qu'il peut se gonfler du coup. Comme ça. Donc il peut rouler en fait. C'est ça sa capacité. Merde! Attends, mais comment on fait du coup? Que je prenne mon élan et que je me mette en boule? Il peut pas sauter lui. Ah si, il peut sauter un petit peu. Ok. Ah oui, c'est ça, faut que je prenne de l'élan et après je roule en boule. Ok. Sauter, roule, voilà, sauter, roule. Oh, c'est trop beau, c'est magnifique. Il est trop mignon celui-là. Ouh là là. Ah, ok, j'ai compris. Ouais, ça c'est très dangereux ça. Oh là là, mais attends, ils m'en mettent plusieurs et tout.
mer, tu vois pas le poisson. Merci, Pélo. Ah, j'avais pas assez d'élan. Chier. Non, ça passe. Ah, ça passe. Ok. En vrai, lui, ça va. Il est pas trop technique, mais alors... L'autre, il est hyper technique, quoi. La maîtrise de vanne totale. Je roule et... Non ! J'avoue, il est drôle. Allez ! C'était quel poisson la semaine dernière quand tu as Rashkit avec les mouettes? C'est le piranha. C'est le piranha. Mais apparemment le piranha il est vraiment chaud. Hein. Surtout qu'il est chaud si t'es encore plus sur clavier souris quoi. Non mais je meurs, il fait un bruit de ballon. Il fait un bruit de ballon de plage. Ce poisson est trop fun, ouais. Ouais, les bruits sont top. Et d'ailleurs, vous voulez que j'enlève la musique? Parce que ça, c'est la musique du jeu qu'on entend, mais je peux l'enlever, hein. Non, c'est bien, ok. Ah merde, je me suis fait emporter! Je me suis fait take away! Mais où je vais, là? Mais j'avais même pas remarqué! Il m'a emmené où? Ah putain, j'ai eu peur. Du coup, c'était fait exprès en fait. Comment je suis censée prendre ça? Ah bah, comme ça. Bah alors, je comprends pas ce que je dois faire. Ah mais je pense que j'étais pas censée arriver là, non? Attends. Je peux pas le reprendre dans l'autre sens? Non, je peux pas. Qu'est-ce que je dois faire? Va au fond de l'eau et mets-toi en boule, tu vas sauter grave haut, je pense. Mais comment tu savais? Mais ça sert à quoi? Enfin, ça sert à quoi? Attends. Ah ok! Oh là là, mais génial hein. Mais oui, c'est ça, c'est comme quand tu mets un ballon au fond de l'eau, mais oui! Ah là. Alors oui, en fait, ce jeu, apparemment, il joue beaucoup sur la physique. Tu vois, comme l'histoire du bocal, là... De la semaine dernière. Ok. Donc là, faut que je refasse la même, je suppose. Je me place bien. Non! Merci. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche! C'était moins une, hein. Il est vaillant ce poisson. J'avoue, il est trop mignon, il est trop chou.
Ah mais ils font exprès de te mettre vraiment le truc qui dure pile le temps nécessaire pour bien te faire monter en pression. Là. Ah, pas assez. Ah non, mince, je regardais le chat. Bye bye fourchette. Du coup je... Le jeu il s'appelle I am fish, je suis poisson. Oh les enfoirés, oh les enfoirés. Oh sa vieille tronche là. T'as beaucoup de chance ce soir, ouais. Faut vraiment attendre jusqu'au bout que l'écran apparaisse avant de relancer. Oui. Oui. C'est vrai. Sauf si tu sens que vraiment t'es genre pas du tout... genre tu... c'est pas du tout proche quoi. Ok. Ah mais franchement la technique de se gonfler au fond de l'eau, GG. Hein. J'aurais pas pensé en vrai. Ah bah là, pas du tout là. Pourquoi il y a un panier de basket? Non mais attends, c'est trop drôle. Merci Pélo. Comment je peux faire pour monter là? Peut-être plus profond encore. Ok, on va tester ici. J'essaie de marquer un panier, mais bon, c'est chaud. Ah ! Bon, tant pis. À mon avis, ça doit être un succès. Ça doit être un succès à faire, mais bon. J'ai pas le temps, là. Checkpoint, monsieur. Mais c'est quoi cette sorcellerie là? Comment j'ai pu me retrouver là-dedans? Ah là, non, mais là, il y a un faux raccord là. Hein. Comment j'ai pu me retrouver là-dedans? Oh non, encore ce bocal de merde. Oh non, mais je déteste ce bocal de merde là. En plus, il y a les mouettes, regardez là. Je me cache. Je crois que là, elle me touche encore une fois et mon bocal il est cassé. Hein. Alors, vous m'avez dit par là. Je peux pas dégager cette mouette de caca là. Elle va m'avoir. Je suis vulnérable. Putain, la connasse. Ah mais oui, c'est ouvert là-bas. Mais en même temps, si j'avais pris le bon chemin direct. Allez, go. Allez, sous la table, vite. Ah, je suis en pente, il veut pas. Oh, mais c'est chiant de ouf. Mais attends, mais je rêve, elles font des vols planés sous la table. Je vais y arriver les gars, je vais y arriver. Par contre, je vois que de l'autre côté, il y a encore des mouettes. Hein. Genre, même après le grillage, on n'est pas sorti d'affaire en fait. Par contre, je vois qu'il y a un checkpoint. Donc je vais rusher le checkpoint, je pense.
Merci, Pello. Checkpoint. 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 Allez, après ça, exploser mon bocal, hein. J'en peux plus. Je sais pas où aller après ça. Genre, je pense qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Ah bah oui, il y a de l'eau de l'autre côté. Ok, c'est bon, j'ai vu, j'ai vu. Avance. Ah, tu crois que je peux avancer avec la poubelle? Mais non, mais alors là, ça... Ça, par contre, un petit poisson comme ça, il arrive à déplacer une poubelle pleine d'eau en plus. On n'y croit pas, hein. Même moi, j'arriverai pas à le faire. Une poubelle pleine d'eau. Et un petit poisson, il y arrive. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On est sur la loi de la physique, là. La physique, c'est celle de Minecraft. Alors, ensuite... Où est-ce qu'il y a de l'eau? Ah, je vois qu'il y a un checkpoint là-bas. Donc je pense que c'est à gauche, non? Vous croyez pas? Ça doit pas être par là, hein, je sais pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, j'ai pas de checkpoint. Donc si jamais je reviens dans mon bocal, en fait, si je crève là. Avance jusqu'au fond. Ok. J'ai peur parce que la poubelle, elle, là, c'est en pente. C'est en pente, donc je pourrais pas remonter. Si jamais c'est pas ça, je pourrais pas remonter. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bien évidemment. C'est quoi ça? Ah, j'étais pas censée tomber de la poubelle en fait. J'étais censée arriver comme ça. Oh non! Bon, après celui-là, il a, ça va, c'est un bocal rond, ça va. Mais dis donc, il y a beaucoup de bocal, hein, de bocaux, hein. Il y a beaucoup de bocaux qui se baladent dans la ville comme ça, là. C'est pratique, hein. C'est réaliste. Lise Sombre Ciel a lancé un raid avec 21 spectateurs. Hello, merci beaucoup pour le raid. Mais qu'est-ce que... Mais attends, mais il est dans l'eau là, non? C'est pas de l'eau ça? Ah non, c'est pas de l'eau. Hello, merci les sombres ciels, merci beaucoup, bienvenue à tous. Je pense merci qu'il faut que je saute direct en fait, comme ça. Par contre, je sais pas où est-ce que ça va me mener. Là, là. Je peux pas sauter direct là, comme ça? Nickel! Tu pensais que ça casserait le bocal? Ouais, mais non, en fait, le bocal il est invincible. Oh, il y a encore des saletés de mouettes. Stop, stop, stop! Je pense qu'il faut que je traverse là, on va essayer. Hein. Mais c'est qui déjà la personne qui a fait ce circuit infernal là? Qui ferait ça là? Stop, 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 pas trop vite, pas trop vite. Tu te calmes. Voilà. Par là, ok. Ok, pas trop vite! Ah oui, il y a le checkpoint en face. Let's go. Let's go, let's go. En plus, là, t'as le son qui est étouffé là. Vraiment, c'est pesant, genre. Ah, ça y est. Putain, tout ça pour crever ici, après tout ça, là. Bah alors, je ne sais pas où aller. Ah, il faut peut-être que je roule vers mon avenir, mais oui. J'avais oublié. Merci,
Oups. Oh bah non. Mais putain. Plus sympa cette partie. Ah ouais, vraiment. Allez, c'est la fin du niveau. C'est la fin là, non? Merci Pello. Merci Pello. Merci à ceux qui s'abonnent, bienvenue. Merci pour vos follow. Ouais, là on est bien. Là c'est tranquille. Là on est bien. Est-ce que le poisson va réussir à aller jusqu'à l'océan? Merci Pello. Le retour de la musique cute. Oh, il y a un autre petit poisson là, regardez. Pourquoi les autres poissons du jeu, ils ont l'air débiles? Attends, il va me pêcher là. Il va me pêcher si je... manquerait plus que ça. Ouais, du coup, je comprends pas ce qu'il faut faire. Parce que qu'est-ce que ça va m'apporter en fait de sauter dans son seau? Ça va rien m'apporter, je vais juste crever. Il y a de l'eau dedans. Ouais, mais une fois que t'es dans le seau, tu fais quoi? Moi, j'ai pas envie d'être à la merci d'un humain là. Attends, je vais essayer, mais... J'ai l'impression que je peux pas. Ouais, j'ai l'impression que je peux pas. Hein. Bon, écoutez, on va essayer de chercher un moyen de se barrer de là. Le lac. Il y a bien une petite entrée vers l'océan, là, non? Son appât. Attends, alors déjà, son flotteur, il est là. Vous croyez qu'il faut que je me fasse pêcher? Non, mais c'est complètement débile. Bon, au pire, j'ai un checkpoint. Boy! Faut que je me débatte là? Faut que je me débatte? J'ai pas compris. Pas compris. Attends, peut-être qu'il faut que j'aille vers lui alors. Je vais vers lui alors. A bit of a fighter, yeah? A little fighter snap the line. Bah non, genre même quand je veux y aller volontairement, ça marche pas. Je pense que c'est peut-être juste une animation comme ça. La ligne change de couleur, ah ouais? Ah, ok, j'avais même pas vu. J'avais pas vu que la ligne changeait de couleur, ok. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que quand c'est rouge, je dois me débattre ou me laisser faire? Laisser faire. Ok, voilà, je nage à contre-courant de sa ligne. Là, je me laisse faire parce que c'est rouge. Hop. Là, je relâche. Je me redébat. Je relâche. Je me redébat. Je lâche. Voilà. Donc, fallait pas se mettre en blob. I reckon you'll be worth a few quid. Let's put you in here.
Bound to find a buyer for you. réapparitions. Voilà, donc vous le saurez. Si jamais vous voulez faire le jeu, vous le saurez. Ah, il y a le niveau 3 là. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne avec le poisson volant ou vous voulez faire le niveau, la fin du blob? On fait la fin du blob, hein. Mais non, mais c'est que ça, on va aller en discothèque. Regardez, on va aller en discothèque. Discothèque de Barnardshire. Putain, il fait 34 dans ma pièce. Là où je suis, il fait 34. Je fonds. Oh non, l'enfoiré, il m'a vendu dans une discothèque. Avec des débilos, regardez. Ah, il y a un saut là. Il y a un saut. Ah, j'ai compris. En fait, pour moi, je pense qu'il faut que je saute sur le canapé. Et après, il faut que je tombe dans le seau du ménage. Non mais trop drôle, le gars, il est en train de faire le ménage alors qu'il était à des pélos en train de danser. Il y a pas une vitre. Bah ouais, mais je sais pas, on dirait que la vitre, elle est à ras là. Ah, là, il y a une vitre, mais là... Là, il y en a pas, hein. Bah, je vois pas d'autres moyens. Oh, je crois que j'ai compris. I understood. C'est comme ça qu'on s'échappe. Eh ouais. Non! Ah mince! Roule ma petite boule. Ah non, les escaliers, je déteste les escaliers. Il faut que je fasse... Non! Hé, merde! Merde! À mon avis, c'était pas ça qu'il fallait faire. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous fout, lui? Oh merde! La technique, c'est de vraiment rester au fond du seau, en fait. Donc là, je suis à fond sur la touche nager vers le bas. Attends, je vais attendre qu'il vraiment il y aille là en dansant l'autre là. Allez, dégage, allez, allez. Putain, faut que j'apprenne leur chorégraphie par cœur là. Ah oui, il est là, checkpoint. Yes. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait un là. Ok. Ah non, c'était lui, ok. C'est pas grave, je suis juste là. Ouais. Parfait alors. Oh, faut que j'aille là. Putain, j'ai frisé. Chier. Mais n'importe quoi! C'est trop n'importe quoi! Non mais à quel moment c'est possible ça? Attendez, regardez ce qu'on va faire, regardez! Attendez, j'examine ce que je dois faire. Gonfle, ok. Ah oui, en fait, dès que je suis devant l'aération, faut que je me bloppe. Ok. Merci, Pélo. Pour être super léger, quoi. Ah, ils sont bien pratiques, ces aquariums. Hein. Ok.
Bah alors, je suis censé faire quoi? Parce que là, il va juste tomber comme ça, en fait. Je vois pas comment je peux faire pour monter aussi haut. Ah, tu crois que les poufs, ils rebondissent? Non. Ça se trouve, hein? Vas-y, on va tester. Mais non. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Il y a zéro logique dans ce jeu. Ah ouais. Ok, c'est bon, j'ai le checkpoint. Ok. T'as la musique de la boîte de nuit depuis tout à l'heure, là. À moi la liberté! Ce qui est trop bien dans ce jeu, c'est que tu sais jamais à quoi va ressembler la suite. Tu sais jamais à quoi t'attendre. T'imagines, t'es en train de danser, tu vois un poisson passer au-dessus, là, comme ça. Attends, parce que là, je sais pas où aller. Stop. Tu sais, mais en fait, moi j'imagine ceux qui ont fait le jeu, ils doivent se dire, alors, comment le poisson peut faire? Tu vois, ils doivent réfléchir à toutes les étapes, toutes les transitions, quoi. Je suis déçue, tu ne rages plus. Ah bah non, parce que là je me débrouille bien. Il y a un checkpoint par terre. Ensuite là. C'est génial. Attends, là je vais me mettre sur le matelas. Bah attends, mais j'avais fait exprès. Bah là ça marche plus, là il me faut de l'eau. Allez hop là. Et voilà. Le checkpoint de triche, non? Non, où t'as vu de la triche, toi? Elle avait même pas vu où était le saut. Non, j'ai même pas vu où il était. Donc du coup, là, je suppose qu'il faut que je traverse le dance floor. Attention, monsieur! Est-ce que vous entendez bien la musique ou pas? Parce
trouve que ça rajoute un truc vraiment drôle au jeu. Oui, ok. Oh, mon dieu. Oh. Ah, mais ils sont tous matrixés là. Je pense qu'il faut que je passe pile là, tu vois. Parce que comme par hasard, ils ont fait une... Il y a une sorte de chemin un peu... un peu visible. Merci, Pello. Ah, il y a les toilettes. Ça, je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'il faut que... Non ! Attends, parce que là, il y a un Antoine qui me pousse. Ok. Allez ! Chug, chug, chug. Hey! I'm not feeling great. Je suis dans son estomac. Regardez. Tu crois que je peux le contrôler? Va par là, monsieur. Non, mais c'est n'importe quoi là, par contre. Là, c'est n'importe quoi là, par contre. Excuse me. Elle va pas se pousser, la grognasse. Pousse-toi. Mais attends, il est en train de crever, le monsieur là. Faut que je trouve un... Faut que je trouve un autre moyen de passer en fait, parce que l'autre elle me gêne. Faut que je recommence, je pense, hein, parce que regarde la jauge verte là, il va dégueuler. Faut pas qu'il dégueule en fait, parce que s'il dégueule, moi je suis par terre. Oh putain. Vas-y, vas-y, je recommence. Putain, tu dois faire tout le tour juste parce que les gens ils veulent pas se pousser quoi. Ah putain, c'est trop chiant à contrôler, il titube. C'est vraiment dur à contrôler, quoi. Genre, il fait vraiment pas ce que je lui dis de faire. Allez, go, go, go! Toilets need... Allez! Find toilets. Allez! Vite, il va dégueuler, il va dégueuler, il va dégueuler! Dépêche! Mais déjà, à quel moment tu gobes un poisson et... Comment c'est possible, genre... Allez! Pourquoi il y a une femme qui pisse au pissotoir, c'est quoi cette affaire? Where are the finally toilets? Merde, je suis dans l'urinoir! Merde! J'ai eu chaud de ouf, ouais. Oh. Waouh. Ah là là. On est tous soulagés là. Merci les gars. Alors, je suppose qu'il faut que j'aille dans le cercle là. Est-ce que je vais pouvoir sauter assez haut? Putain. Ah ! Yes ! Eh, franchement, 18 réapparitions, c'est pas mal. Bon bah du coup ce poisson là il est terminé. On fait quoi? Parce que là il est déjà minuit 20. Oh, il a retrouvé son ami. C'était trop bien. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette cinématique? C'est moi. Ouais, du coup, il en manque deux, là.
Putain, mon PC, il ventile de fou, là. Il a trop chaud, hein. Il a trop chaud. Je sais pas si vous l'entendez. Peut-être que vous l'entendez, mais... Oh, il ventile. Ok. Alors, je vais quitter le jeu. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous pour le live de ce soir. C'était cool. Je suis contente de ne pas avoir ragé sur I Am Fish. Ça m'a réconcilié avec le jeu. Parce que cet après-midi, j'ai ragé ma grand-mère. Et non, c'était cool. Bonne nuit à tous. Et puis à mardi, du coup, pour ceux qui seront là sur TikTok. Bye bye!